Dans ce jeu, je vais être un bébé et tous mes jouets vont prendre vie. Est-ce que je vais réussir à devenir ami avec les objets? Est-ce que je vais me faire exploser comme un tacos? Vous allez le voir dans cette vidéo. Baby Blues Nightmare, nouvelle partie. Oula, ça commence directement comme ça. Règle, le chocolat vous redonne de la pensée. Ah ouais? Putain, moi je dois être très pensant avec tout le chocolat que je mange. Ok. Bon, je comprends rien à ce qu'ils disent, mais en bas on a une barre de points de vie et on a une barre de tristesse. C'est ma mère! Ok, elle est en train de dire qu'au lieu de jouer avec les gens, je joue qu'avec mes jouets. Bah c'est normal, hein. Les gens ils pètent les couilles. Ouais, mais mes jouets ils sont clippés, gros. Hein. C'est quoi ces jouets du démon? Tu m'étonnes que l'enfant il ait des problèmes. Apparemment, pour pas me faire voler mes jouets, je fais exprès de prendre les pires dont personne veut. Maman, elle me décrit bien en vrai, c'est bien, ça veut dire que j'ai du goût. Là, elle dit que je suis accro à un show télévisé qui s'appelle Red Belly and Friends. Je sais pas c'est quoi. Attends, mais moi je suis en train de m'endormir en fait. Mais j'ai quel âge? Est-ce que je suis un gros bébé cadom ou est-ce que je suis un bébé? C'est moi ou les jouets me regardent tous? Oh, mais personne! Personne m'aide là. La daronne, elle va pas aider son fils qui est en train de se faire agarre par tous les jouets du quartier. Oupsi! Ah, ils sont partis. Mais c'est quoi Red Belly là? Parce que ça n'avait pas de parler de Red Belly, Red Belly machin. Vous savez comment ça s'appelle un nombril en anglais? Un belly button. Belly, belly, belly. Bon, est-ce qu'on peut jouer ou... Waouh! Bon, ok, ça se voit à mes pas, je suis un bébé cadom. Bébé? Bébé cadom. Donc là, c'est ma chambre. Ok. Bah, elles sont mes figurines. Déjà, j'ai un très beau lit, mais que j'ai 1 milliard de coussins. Ça, c'est mon rêve, ça. Première tâche, trouver les 5 protectrices dolls. Je suppose que c'est ça. Ok, c'est les jouets protecteurs. Wow, mec, ils font trop peur. Je comprends pas ce délire des enfants de vouloir avoir des poupées qui ressemblent à des enfants. C'est quand même fou. Et je dois faire quoi avec ça? Ah non, c'était pas ça. Là, il y a un dessin. Oula. Les dessins d'enfants, on dirait soit des dessins de bêtes d'artistes. Ça, c'est soit ça vaut 0 euros, soit ça vaut 1 million d'euros. Ah, on peut le tourner. Ok, là, là c'est une feuille blanche. L'artiste a voulu montrer sa différence. Non, pas du tout. Quoi ça? Wow. Celui-là, il fait peur. Ok, on dirait Slender. Des fois que je me dépêche un peu. Est-ce que je peux sauter? Ok. Là, il y a une épée. L'épée, elle est stylée aussi, hein. Mais je comprends pas ce que je dois faire, par contre. Là, il y a une tête de mort. On sent que je suis un enfant très déséquilibré, hein. Des jeux de cartes. Ah, et je peux fouiller à l'intérieur. Ok, là, il y a des t-shirts blancs. Et mec, je suis tellement un PNJ, je m'habille toujours avec les mêmes t-shirts. Il y a rien à l'intérieur, hein. Mais est-ce qu'on pourrait pas se servir de ça pour créer des marches d'escalier, regardez. Ça marche! Mais maintenant, pour faire quoi? Ah, ça doit être ça, là. Attendez, je vais tenter de faire un saut. Ah bah, c'était un peu raté. On va remonter sur le lit, on va tenter de faire un saut depuis le lit. Non! Je suis sûr qu'il faut rattraper ce truc, non? Même pas? Mais attendez, est-ce que je dois me balader dans la maison? Parce que depuis tout à l'heure, je suis ici. Ok, je dois me balader dans la maison. Ah, oh non, une porte anti-bébé, comment je vais faire? Ah bah, comme ça. Les portes bébé, ça sert à rien? Je suis un bébé bien trop malin. Il se passe quoi là? J'entends la télé. Est-ce que ça regarde TPMP? Qu'est-ce qui se passe? Celle-là, je peux pas l'enlever par contre. Il me faut une clé là. Ah ouais, mes parents, ils ont mis la double sécurité quoi. Donc là, il faut que je trouve une clé. Mais tout est fermé. C'est quoi comme dessin ça? Oh, ok. Il faut que je utilise un tabouret pour enlever les locks. Pas de problème. Parce que je crois avoir vu un tabouret à l'intérieur de ma chambre. Et le jeu il fait peur. Le jeu il a une ambiance très très badante, hein. Tabouret il est là. On va prendre le tabouret les gars et on va faire les petits bébés bien relous. Pour l'instant on s'en sort bien. Mais moi je dis je dois quand même être un bébé très malin, hein, parce qu'à 5 ans et demi faire ça c'est chaud. Et genre là j'ai les bras assez longs. Genre là ma couche elle est pas pleine de caca. Il y a encore des peluches, hein. Ah c'est ça. C'est ça le show qui parlait. C'est ça du bibil là. Ah ouais il fait bien peur, hein. En même temps tu m'étonnes que l'enfant il vienne déséquilibrer avec des shows comme ça. Là les gars je suis un professionnel des jeux d'horreur. Je pense qu'il faut passer dans les conduits d'aération. Mais quelle maison a des conduits d'aération à part une maison de film d'horreur? En vrai, ça c'est pas bien. En vrai, il y a plein de peluches, mais je vois absolument pas à quoi elles ressemblent, les peluches protectrices. Okay, on va passer par là. Ça, c'est pas une peluche protectrice. Ah! C'est comme dans la vraie vie, j'ai eu peur d'un vieux rat. Je suppose qu'on va suivre le rat, hein. Allez, Rémi de Ratatouille, la cuisine-nous des ratatouilles. Oh, il y a des problèmes. 1 plus 1. Ah, attends, moi j'ai pas fait assez d'études pour ça, hein. 1 plus 1, 2. J'ai quand même peur de me tromper. 2 plus 2, 4. 0 plus 0, 0. Est-ce que mes trucs sont bien? Je sais pas. En tout cas, il a de l'humour, hein, parce que pour avoir fait une tête et tout, il est marrant. C'est un artiste. Je vous dis que c'est un artiste. C'est quoi cette photo bizarre là? Là où il y a une clé. Ok, là où il y a une clé, il va falloir que je trouve une solution. Là, ça se voit, c'est la chambre des darons. Ouah, il y a un chat qui se gratte les couilles, ok. Est-ce que je dois faire un truc là? Si je saute sur ça, puis sur ça. Je peux aller sur le lit, je fais la fête sur le lit des darons. J'espère que c'est pas un lien ressort, sinon je vais passer dans le plafond. Et je vais me faire défoncer par le ventilateur. Bon, après, je suis là. Moi, je dis, mes parents, ils s'occupent pas trop de moi, hein, parce que genre là, les parents, ils ont pas entendu tout ça. Est-ce que je peux monter là-dessus? Attendez, je vais tenter. Non, j'étais presque. Moi, je pense qu'il faut monter là-bas. Y a pas un truc qu'on pourrait rattraper? Attendez, ils veulent que je reparte tout en arrière. Est-ce que je peux repartir en arrière et prendre le tabouret avec moi? Peut-être que le tabouret, les gars, c'est la folie, hein. Allez, toi, tu viens. Je sais pas si je peux le ramener, mais si je peux le ramener, c'est vraiment beaucoup plus simple le jeu. Je peux le ramener. Ok, ce jeu n'a plus aucun sens. Bon, c'est un peu bugué. Je pense que là, on est en train de tricher. C'est pas grave. Les gars, je suis un bébé. Je respecte ni personne ni les règles. Ok, genre, je peux le poser là ou pas? Parfait. Ah, mais j'ai pu faire un escalier en fait. J'ai fait tout ça pour rien. Ouais. C'est quoi ça? De l'eau de javel. Ouais, du shampoing. Ouais, je fais juste
fous juste le bordel. Un gros bébé. On prend la clé et la clé doit être pour la porte qui est là, non? Non? Parce qu'il n'y a pas de loquet en haut. Ah, mais c'est bloqué par le canapé. Je peux pas pousser le canapé. Pousse, bébé! Non, j'ai pas de force, je suis un bébé. Mais maintenant qu'on a la clé, les gars, on va pouvoir juste passer par l'autre côté. Parce que je vous rappelle qu'il y avait deux portes qui étaient pas ouvertes. Mais pour l'instant, j'ai trouvé aucune des figurines, non? Alors, je sais pas si c'est moi qui suis nul. C'était quoi ça? Il y a un truc qui a bougé, hein. Ah! Y a pas à faire peur comme ça. Ok. Ouais, les fesses de l'ourson. Regardez sa tête. Ah non, c'est un cochon. Désolé, j'ai confondu. Et là, regardez toutes les figurines. Maintenant, elles sont en train de regarder la télé. Et y a plus le personnage principal. Donc, il regarde quand c'est le mauvais moment. Voilà, pression que j'ai. Eh, un bébé ne devrait pas avoir autant de pression. Oh! En fait, c'était pas la clé de la porte de la salle de bain. C'était la clé d'en bas. Ok, ok. Je suis en train de pleurer. Tes ennemis le savent. Ah, mais je dois faire quoi pour pas pleurer, moi? Mais je dois faire quoi? Non! Apparemment, les ennemis m'entendent. Mais comment je fais pour pas pleurer, moi? Faut que je fasse quoi? Je vais fermer la porte. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille voir la lumière? Mais comment? Moi, je sais pas comment arrêter les pleurs d'un bébé. Moi, je suis pas... Ah, bébé! Pour de vrai, je dois faire quoi? Je vais dessiner par terre, je sais pas! Parce que là, je vais me faire goumer, hein! Non, mais arrête de pleurer! Le... Ah! C'est comme les bébés dans les avions ou les trains là qui commencent à pleurer pour rien! Non, mais là, il crie! Arrête! Arrête! Regardez la tête là-bas! Elle a changé, il est vénère, regarde là! Mais là, j'ai mis ma porte, logiquement, c'est ma forteresse, ils pourront pas passer! Mais je dois faire quoi pour arrêter de pleurer? Je peux écrire sur les murs à l'encre de mes rêves? Non, je peux pas! Il y a un pic pirate, mais je peux même pas y jouer! Attendez, les gars, je me souviens d'un truc! Au début, rappelez-vous d'un truc! Ils avaient dit que si on mangeait du chocolat, c'était bon pour nous! Parce que tout le monde sait que le chocolat, c'est méga bon pour la santé! Alors maintenant, bébé, tu vas arrêter de faire le bébé et on va prendre nos couilles et on va aller en bas. Parce que mes couilles sur ton front, c'est un dindon. Il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est la porte. On va passer par là, les gars. On rush. Le front dans les locks. Comment ça? Il faut une clé. Moi, j'ai pas de clé, moi. À la limite, j'ai la clim, mais c'est tout. Par là. Ok, ok, ok. Du chocolat. Je peux le manger? Je veux manger. J'ai faim. Ok, je pleure plus. Waouh, on a failli crever. À partir de maintenant, il va falloir faire super attention à toujours trouver le chocolat. C'est quoi ce bruit? Non, bah, c'est par là. Ouais, du sang. Mes parents, ils font des soirées bizarres. Il y a un exorcisme ici. Tu peux te cacher sous les tables. Ok. Pourquoi je devrais me cacher en fait? Est-ce que c'est le monstre de la télé qui va débarquer? Déjà, il y a un tabouret. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille quelque part? Et je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir les placards. Et les placards de la cuisine, c'est un peu le best endroit pour trouver du chocolat. On va pas se mentir. Oh, tiens. Ok, là je suis caché. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Oh, peut-être par là. Ouais. Là, il y a des bières. Est-ce que j'ai des parents qui aiment l'alcool? Je ne sais pas. Le frigo, il est défoncé. Il y a une pomme. Est-ce que les pommes... Attends, est-ce que bébé, il aime bien les pommes? Ça, je sais pas. Hein. Examiner. Ah ouais, bébé en fait il aime bien manger, hein. Bébé en fait ça a juste besoin de manger. Voilà, j'ai résolu tous vos problèmes. Si vous êtes un parent, me donnez à manger à votre enfant. Et normalement il criera pas. Waouh, il y a beaucoup de sang quand même. Vous êtes à essayer de boucher, c'est pas possible. Ouais. Wesh. Il y a plein de canards en plastique. Évidemment ça fait du bruit. Et il y a une figurine là. Oh. Il a quoi le petit ourson? Petit ours brun, t'as changé. T'inquiète pas, je te vengerai petit ours. Ou pas. Je suis un bébé, hein. T'attends pas à grand chose. Dans 20 minutes j'ai oublié. Là il y a des figurines de clowns. En fait mes parents c'est des dangereux, hein. Genre ils ont un budget comme ça pour acheter des jouets de bébé. Moi j'avais un doudou et c'est tout. Ok. Il y a un truc derrière la porte. C'est fermé. En même temps, pourquoi je voudrais ouvrir? Il y a littéralement un monstre derrière la porte et moi je me dis oh je vais lui ouvrir en vrai et peut-être qu'il peut être sympa. Peut-être qu'on peut boire du coca chéri ensemble. Oh oh. Vous avez une très longue main madame mais vous n'avez plus de jambes. C'est un peu triste. Je vous marche dessus, je vous pisse dessus. Ok, là on a une clé. Oh oh, ça j'aime pas quand ils font ça. Quand toutes les têtes elles se retournent. Genre là elles me suivent encore. Ouais. Nous on va rentrer. Y'a un truc là. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a marqué qu'il faut aller par là? Y'a un truc ici? Je peux rien faire, hein. On va repartir en arrière. Je vais aller par là, je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais y'a rien ici. Je me suis fait avoir! Eh les gars, j'ai tellement peur. Ah! Je sais pas où je vais. Bébé, cours! Cache-toi, bébé. Ok, faut que je me cache sous la table et que je mange du chocolat. Ok, là, je pleure plus. C'est quoi ça? Il arrive. Wow. Je dois aller où? Je sais même pas quoi faire. Vas-y, je tente le tout pour le tout. Ah! On se cache! Je suis caché! Aïe! Genre le bébé il pleure pas. Moi j'ai envie de pleurer. Non! Ah! Attends, il y a un bug! Je peux regarder au-dessus de ma tête! Je défonce la table! Ah mais c'est horrible! Le jeu il est horrible! C'est hardcore! Après ça a déverrouillé cette partie là. Est-ce que je devrais y aller? Peut-être que tout ça c'est qu'un cauchemar, hein. Après tout est faux, non? J'ai le cœur qui bat la chamarade. Je sais pas trop quoi faire. Par contre, on a une nouvelle clé. Est-ce que la clé va nous permettre de partir? Tout à l'heure il y avait un espace qu'on n'était pas allé. C'est celui-là là-bas. Ou celui-là, je sais plus. Ok, maintenant on est dehors. Est-ce qu'on peut pas juste partir? Moi je vais aller chez mamie. J'aime pas papa et maman, ils font peur. Putain, le monstre il est vraiment effrayant. Tout comme ce petit vélo. En général, il y a que les clowns tueurs qui utilisent ce genre de vélo. Il y a des jouets par terre. D'ailleurs, on a toujours récupéré aucun jouet, hein. On en parle ou pas? On a récupéré aucun des jouets qu'il fallait, on a une voiture. Est-ce que bébé sait conduire? Bah aujourd'hui, il va apprendre à piloter. Oh merde, j'ai fait du oui. Ah, je peux vraiment partir en bicyclette? Yo yo les nulos. Ah bon, je peux pas aller plus loin. En fait, je sais, faudrait que j'arrive à ouvrir cette porte et je devrais pouvoir m'enfuir en bicyclette. Je pense que c'est vraiment le moyen de locomotion le plus lent du monde, mais en vrai, on a plus rien à perdre. OK, on va activer ça. Ah mais ça va faire grave du bruit, non? S'il est attiré par le bruit, les gars, je suis mort moi. Allez, on s'en va. On va faire un petit tour, c'est Halloween, on va chasser les bonbons. OK, là il y a tous les clowns qui nous regardent. Ah oh, merde, j'ai calé. Ah, je sais pas faire de créneau. Ouais, il y a un mec là-bas.
Il y a mon nom, Aiden. J'ai peur, je dois y aller ou pas? Je sais pas qui c'est. C'est qui la personne au bout du couloir? C'est qui la personne là? Oh, je sais pas par qui je préfère me faire tuer. Vous pouvez pas terminer le jeu comme ça, vous êtes des malades. Ah, le jeu a été créé par un seul mec, il était chaud. Les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. On est bientôt 400 000 sur la chaîne. Ce serait ouf qu'on les fasse, donc merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez gagner plein de cadeaux. Rayton, Sierra du Bagecté. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. C'était Rayton. Ciao.